vous regardez RTL. Pouvez-vous me citer quatre de ses prédécesseurs à la tête de la régie Renault ? Schweitzer, oui. Schweitzer, s'en fait un. Ouais. Louis Schweitzer. Renault, monsieur Renault. Ouais. Monsieur Renault, ça en fait deux. Bravo, Bess. Louis Renault. Bess. Georges Bess, ça en fait trois. Monsieur Nissan. Et Citroën qui s'était gouré de... J'en ai pris quatre parce qu'il en reste un trouvable, on va dire un des plus proches, entre Georges Bess et Louis Schweitzer, dans les années 80, 90. Il n'y a pas eu un dénommé Dreyfus? Alors, il y a eu Pierre Dreyfus dans les années 70, c'est pas celui que j'attendais. Mais bravo, c'est bonne réponse de Bernard Mabille. Il y a eu aussi, c'est le deuxième PDG de Renault, tout de suite après Louis Renault, monsieur Pierre Lefaucheux. Ouais. Mais quelle est la particularité de Pierre Lefaucheux par rapport aux autres PDG de chez Renault? Et c'est plutôt lié à sa disparition, pour tout vous dire. Il est mort dans un accident de voiture. Et dans quelle voiture? Dans une Renault. Il est mort dans une Renault. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Et comment est-il mort? Alors écoutez, c'est ça qui est assez incroyable, c'est la façon dont il est mort. Alors je vais vous le raconter parce que... Qu'est-ce que c'est drôle? Ah, oui, hein. On va s'amuser, allez-y. Ah non, 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 mais vous allez voir, c'est assez étonnant. C'est ça vaut poilant, le coup hein. Non, c'est pas poilant, ça vaut le coup d'être raconté, alors, Roselyne. Alors, allons-y. Vous allez voir, vous allez dire, ah bah oui, faites bien de me le raconter. Ouais, d'accord. Vous verrez dans les dîners après, parce que forcément, entre ex-ministres... Voilà, on parle de Lefaucheux, mais dans tous les dîners, hein. Non, mais vous allez parler de Carlos Ghosn. Oui. Voilà, et vous allez dire, ah, est-ce que vous savez que Lefaucheux, lui, le deuxième patron de chez Renault, eh ben il est mort à Saint-Dizier, enfin il approchait Saint-Dizier par la route nationale 4. Et là, il faut savoir que c'était un automobiliste passionné. Il place sa valise, non pas dans le coffre de la voiture, mais sur le siège arrière de sa Renault Frégate. Et il est surpris par un signe de déviation temporaire. Ah, un gilet jaune. Putain, qu'est-ce qu'ils ont fait comme mort, les mecs? C'est incroyable. Il braque au dernier moment pour suivre la route imposée. Il tente de freiner sur ce qui s'avère être une plaque de verglas. Et après plusieurs tonneaux, le véhicule termine sa course dans un champ. Le véhicule... Ah, c'est bon pour la marque Renault, est quasi intact. Ah, ouais. Vous voyez. Mais la valise de Lefaucheux le tue. Le a quitté le siège arrière le et lui a brisé la nuque. Ah. Et on retrouvera dans sa poche le billet d'avion inutilisé qu'il avait acheté. Quelle histoire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il ne faut plus faire de valise RTL. C'est trop dangereux. C'est trop dangereux, imaginez. Ah. Non mais avouez que c'est une histoire intéressante. Vous savez pas dire que ce gars-là n'avait pas un bagage. Hein. Vous savez qu'on... Je trouve que Louis Malle pourrait en faire un film. Oh là ! Vous savez qu'on imagine pas le nombre de gens qui ont eu la boîte crânienne défoncée par des appareils photo qui étaient sur la lunette arrière de la... Sans rire. Oui, et lorsque vous percutez un arbre ou un mur, l'appareil photo se met en route à la vitesse à laquelle vous rouliez, c'est-à-dire ça peut être 80 ou 60 km/h, et bam, et il n'y a plus rien à faire. C'est incroyable tout de même. Le Faucheux qui dirige Renault, qui meurt en bagnole. Mermoz qui pilote un avion, qui meurt en avion. On ne sait pas comment est mort l'inventeur du suppositoire. Mais c'est n'importe quoi.